Bonjour, bienvenue à Métro Villeneuve. Est-ce que je peux vous aider ? Métro Villeneuve-la-Garenne est le premier entrepôt métro. Il a été ouvert il y a 40 ans. On est aujourd'hui à 92 entrepôts. Beaucoup derrière, on a servi de modèle. Hein. Maintenant, après, les choses ont évolué. Donc là, ici, on est sur un entrepôt de 16 000 m². Après, les entrepôts ont été de taille un petit peu plus petite. Et donc, on est à l'origine, je dirais, du développement de métro. L'entrepôt est ouvert au public de 5h à 20h. Bonjour monsieur, je vous en prie. Malgré tout, il y a quand même une activité 24-24 puisqu'on a une équipe de nuit. Les équipes de nuit se sont créées en 2000, l'année 2000. Donc ça a été, au départ c'était un essai, on voulait voir comment ça vivait et puis ça a fini par être adopté. Bon, c'est vrai que la nuit, on est confiné dans un espace donc qui est l'entrepôt. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, l'équipe de nuit est une famille. Papa, maman, si tu me regardes. T'as vu, je suis au travail, je suis pas dehors. Quand le client arrive à 5h, l'entrepôt est prêt à les accueillir avec la marchandise qui est arrivée la nuit, donc la fraîcheur dans les fruits et légumes. Voilà, on est vraiment sur un rôle qualitatif et quantitatif de l'équipe de nuit. Et là, on enlève la glace tous les matins et on vérifie en même temps la qualité du poisson, s'il est propre à la vente. Et s'il n'est pas bon, ben on le sort. On a développé la marée, on va dire, une vingtaine d'années après l'ouverture d'un premier métro, en 1971. Donc, en fait, on avait un assortiment qui était beaucoup moins riche. On a développé donc, la marée en 1994, il me semble, donc en 1994. Où là on a développé le poisson avec l'achat à la criée à Cherbourg. Alors nous avons des clients qui viennent tous les jours, certains viennent deux fois par jour, d'autres viennent deux, trois fois par semaine. C'est le rayon alcool, c'est le plus grand d'Europe, il n'y a pas d'autre plus grand que ça. On peut tout trouver ici, toutes sortes d'alcool, toutes catégories quoi. Et même le rhum du monde entier, on l'a. Donc, il n'y a pas d'autre comme ça. On a la particularité, par rapport à la grande distribution, d'avoir une relation avec le client de fidélité. On a des clients qui sont là quasiment depuis l'ouverture. On a des clients où son père était client, il a cédé l'affaire, lui est client. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que l'activité commerciale a vraiment eu un sens. Puisque maintenant, on ne fait pas que du cash and carry, on fait de la diversification. Que ça, c'est important d'avoir une petite couverture derrière le client, il en a besoin. Il se sent plus en confiance, il est plus assisté sur toutes ses ventes, ce qui fait son évolution à lui et ce qui fera forcément l'évolution de métro. Les clients, ils aiment bien que les gens viennent vers eux, discuter, de dire bonjour et puis de s'occuper d'eux. C'est surtout nos clients à Villeneuve, ils aiment bien qu'on s'occupe d'eux. Donc on est vraiment dans cette relation de confiance et de durée. Bonjour. On participe beaucoup au forum, tout ce qu'organise la ville en matière d'emploi. Dès le recrutement de nos vendeurs spécialisés, on a des critères bien définis. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de candidatures spontanées des jeunes ou des gens de Villeneuve-la-Garenne. J'étais assez jeune et je voulais travailler un deuxième boulot. Et habitant en face, dans les bâtiments blancs, 4 Square Paul Claudel, j'y étais voir et puis ils m'ont embauché le samedi. Sur nos 250 salariés, 25% habitent Villeneuve-la-Garenne. Et bon, c'est comme ça que j'ai découvert Métro. Et puis j'ai trouvé que c'était une entreprise assez agréable. J'ai tout fait pour être embauché. Et puis, jusqu'à maintenant, je suis là. Je suis très très contente de travailler ici. C'est vraiment une entreprise dynamique qui est sur la proximité avec les gens, sur le développement des ressources humaines, le commerce. Voilà. C'est vraiment un tout et une entreprise où les gens aiment bien travailler puisqu'on voit ici qu'on a des collaborateurs qui ont 40 ans d'ancienneté, 35 ans, 36 ans.
Donc je pense qu'il fait bon vivre chez Métro.